encore en surpoids toi? Oui. Oh. Bon, il a joué donc apparemment. Ah oui, rapprochez-vous!
Congratulations, Echo One. C'est bon, pressé. C'est safe. Voilà, là c'est nettoyé.
Welcome, bitches. Et tous 6, ouais.
Félicitations, lecteur. Ce que vous tenez dans vos mains ne résoudra pas seulement vos problèmes, mais les problèmes de tout le monde autour de vous. C'est vrai. Arrêtez et pensez-y. Regardez sur votre gauche. Maintenant, regardez sur votre droite. Qui, parmi vos proches, n'avez-vous pas blessé avec votre colère? Maintenant, trouvez un miroir et regardez-le. Regardez-le vraiment. Parce que quoi qu'il en soit, personne n'a été plus blessé par vous que vous-même. Mais ce livre a vos réponses. Vous devez l'essayer chez vous. Comment savoir si je suis... un manager en rogne. Vous criez sur vos sur un employé au moins une fois par jour. Vous n'accordez jamais à quiconque une seconde supplémentaire lors de leur pause déjeuner. Vous licenciez plus que vous n'embauchez. Vous avez du mal à accepter un compromis. Vous remarquez que les gens se taisent lorsque vous entrez dans une salle. Vous lâchez les chiens sur vos hommes. Vous pouvez très bien être un manager en rogne. Alors qu'est-ce que je peux faire? Tout d'abord, faites attention aux signes de colère lorsqu'ils apparaissent. Nœuds dans l'estomac, mains qui se serrent, votre corps qui se crispe. Tous ces symptômes sont des signaux d'avertissement qui peuvent survenir bien avant que la colère ne s'exprime vraiment. C'est le moment de vous arrêter avant que la colère n'affecte les autres, ainsi que vous-même. Alors comment se servir de l'aide des autres? Voici notre top 10 des conseils pour le manager sous la colère. Réfléchissez avant de parler, qu'allez-vous dire? Et quel sera l'effet sur les gens autour de vous? Donnez-vous quelques secondes pour l'imaginer. Faites de l'exercice, une petite promenade autour des bâtiments ou un petit footing font des miracles pour votre sérénité. Faites un temps mort. Ce n'est pas que pour les enfants. Mettez-vous en retrait un moment. Concentrez-vous sur les sensations physiques de la colère. Concentrez-vous sur la façon dont ça change vos sentiments et cela tranquillisera votre esprit. Étirez, détendez ou massez les points de tension, particulièrement après l'étape 4. Dansez sur de la musique, mettez vos morceaux préférés et laissez simplement la colère partir. Utilisez l'humour pour lâcher la tension, la bonne blague au bon moment aidera à apaiser tout le monde. Griffonnez dans la marge, évitez les blagues sur ta mère à partir de maintenant. Tabassez un oreiller, passez votre colère sur un objet en privé. Griffonnez dans la marge, hurlez, marche aussi. Tenez-vous à vos déclarations. Commencez par vous-même avant de parler sur les autres. Vous aiderez à arrêter de vous plaindre les autres pour des problèmes qui pourraient venir de vous. Comptez jusqu'à 10. Et voilà, c'est vraiment simple. Avec ces 10 conseils, vous avez la garantie de ne plus jamais avoir de problème de colère. Vous trouverez que vous êtes un chef plus heureux et plus détendu, et vos employés seront plus heureux et plus efficaces. Les autres livres de la même série, Comment diriger un séminaire sans un bégaiement, Gagner de la confiance, un guide pour les managers faibles, L'amour au bureau, à partir de quand cela est-il acceptable? Résultat non garanti. Oh, si les résultats sont pas garantis, c'est nul. Ah oui, j'ai oublié de... tous les cris.
Ah, ça va faire vos cochons. Bounty among death. Something is wrong here. Un vieux gars au visage rond portant une chemise en plaid avec un jean, le grand-père rêvait. Tout chez ce type est singulièrement propre, tout comme ses mains, pas de crasse sous les ongles et encore moins de cale aux pommes. Salut les gars, bienvenue à la ferme Howitzer. Je suis Jim Howitzer. N'hésitez pas à jeter un œil. La MSR a prévu que des propriétaires potentiels allaient venir pour voir à quel point la vie peut être douce dans la vallée du bonheur. Par contre, eux, n'embêtez pas les ouvriers agricoles, ils sont trop occupés pour discuter. Les ouvriers agricoles, c'est triste de voir des agriculteurs du coin, non pas. Mais si, comme je ne pas supporter de les voir comme ça, je les ai embauchés pour faire des petits boulots sur ma propriété seulement jusqu'à qu'ils soient sortis du pré-train et dès son prochain, c'est seul mot d'ordre. La vallée du bonheur, disons. Ah oui, mais c'est pas le bon qui parle. Disons que ce n'est pas. Quand tout à fait posé ici, je vous l'accorde, mais nous en sommes qu'au début, les choses changent, j'en suis preuve vivante. Les entreprises MSR sont des gens bien qui sont en train de transformer ce trou perdu poussiéreux en une communauté. On peut dire que c'était une masse avec toutes larges épaules et de sacrées pognes. Maintenant, il est maigre comme un clou rongé par la faim, le dos voûté avec une barbe hirsute sur le visage. Vous avez réussi un de mes pigeons? Enfin, ça fait des semaines que j'en ai. Voilà, Citadel, vous êtes venu ici pour tuer ce taré de Danford. Vous pouvez m'aider à récupérer ma ferme? Où est ta ferme? Juste ici, voilà ma ferme, voilà mes terres, voilà mes pigeons. Ces putains de scorpions rouges aux entreprises de mes serfs, comme ils se font appeler maintenant, m'ont tout piqué. Taxes de sécurité, frais de licence bovine, fonds de lutte contre l'allergie au blé, ils m'ont fait cracher au bassinet. Jusqu'à que je ne puisse plus payer. Et là, ce Jim, le fermier, se ramène et m'offre de me le racheter, de m'embaucher comme surveillant. Qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? J'ai accepté et je n'ai cessé de le regretter depuis. Je ne sais pas qui c'est. J'ai entendu que c'était le frère ou l'oncle du commandant Danford, le chef des Scorpions Rouges, qu'il soit, on ne peut lui demander pas de payer des taxes porcines ou des droits de douane sur les transports de la nourriture. Et ce numéro de vieil homme bienveillant, c'est du flan aussi. Ah, c'est sûr, il ne nous tabasse pas. Il demande ses contremaîtres de le faire à sa place. Le prix que m'a payé Jim le fermier était tout juste suffisant pour rembourser ma dette envers les scorpions, mais je n'avais plus assez pour partir, alors j'ai commencé à travailler pour lui. 1000 PEP en coupant, et jamais assez pour pouvoir économiser quoi que ce soit. Je suis un esclave dans ma propre ferme. Il n'y a aucun moyen d'en sortir. Sauf si vous parvenez à chasser les scorpions du village, je me souviens de ce que les rangers sont capables de faire. J'étais un gamin quand vous aviez votre quartier général ici, et j'ai toujours adoré vous regarder partir en patrouille. Vous étiez des héros pour moi à l'époque. Je veux que vous soyez des héros pour toute la ville maintenant, que vous sauviez les gens d'autrefois. Vous devez vous débarrasser. Vous n'avez pas lu mon message? Ces scorpions rouges s'emparent de toutes les fermes dans le secteur à présent et transforment le propriétaire en esclave. Vous devez l'arrêter, vous.
Écoutez, ça ne sert à rien de tuer les scorpions, Jim le fait. New le contremaître de la ferme. Tenford enverra seulement plus de scorpions, un nouveau chef, d'autres contremaîtres, et nous tuera. Pour tuer un scorpion, vous devez lui couper la tête et Tenford ne sort jamais de la prison du coup. Il va falloir que vous y rentriez. Il n'y a pas de meilleur moyen. Les portes sont protégées par des toiles qui peuvent couper un type en deux en une fraction de seconde. C'est pourquoi on a abandonné tout espoir. Personne n'a réussi à atteindre cette porte. Personne, mais vous êtes rangers du désert. Peut-être que vous êtes assez costaud ou assez malin pour triompher de ce scénario. Ils disent que nous sommes des employés, mais c'est du foutage de gueule, ils nous ont plumés à coups de taxes. Ça, tu te répètes. Les contremaîtres, des scorpions rouges avec des chapeaux de paille, ils vous tueront au premier regard. De la monnaie de singe, histoire de s'assurer qu'on ne s'évade pas, et on peut dépenser au magasin, ça ne vaut rien d'ailleurs. D'ailleurs, il y a toute chance qu'on trouve de l'argent réel et ridicule, scorpion rouge. Sans entendre les vaches ou un cochon, on s'en allait se bourrer la gueule. Je pouvais faire avec. Maintenant que Dunford a pris le pouvoir, ils veulent nous posséder, ils nous ont pris nos vies entières. D'accord. Are those guys protecting the place? Or making sure nobody runs away? If you wish to die, this is the way to go.
You know who this is, Rangers. I'm your worst nightmare. A wastelander who can beat you at your own game. Commander Danforth, at your service. Sure, come ahead. I'll give you the same chance you assholes give unarmed children. Go on, take that step. Aw, oh, leaving so soon? Don't know if we're gonna make it through all that. Might want to come back with reinforcements. Mais je vais m'arrêter là pour ce soir.